100% CO, présenté par Sudoto. Nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudoto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. C'est parti, 100% CO. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'émission consacrée aux castres olympiques, Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Nouvelle semaine pour 100% CO. Retour au top 14 avec la réception de Clermont samedi à Pierre Fabre. Ça va être énorme, hein, le CO qui n'a plus gagné à domicile en top 14 depuis deux rencontres et qui reçoit un leader en pleine bourre. Pour parler de cette rencontre, nous recevons deux avants du castres olympique. Ce soir, le talonneur Kevin Firmin, bonsoir. Bonsoir. Et le troisième ligne, Kevin Gimeno, bonsoir. Bonsoir. Nous parlerons aussi des résultats des équipes de l'association, les espoirs, les cadets, les féminines. On parlera de vous aussi, messieurs, bien évidemment. Tout d'abord, des nouvelles de toi, Kevin. Alors, à chaque fois, je serai obligé de préciser les noms de famille, hein, puisqu'on est, on est avec deux Kevin, donc Kevin Gimeno. Et Kevin. Toi, tu étais sorti blessé lors du match contre Grenoble. Comment tu vas? Beaucoup mieux. J'ai eu une grosse acromio, donc j'ai passé les examens. C'est avéré que, bon, avec une infiltration, j'ai pu jouer Gloucester un quart d'heure. Bon. Toi, t'es en reprise totale, ça a tenu Gloucester, là, il n'y a pas de difficulté. Ça a tenu, c'est bon pour l'instant, c'est bon. Bon, ça marche. Gloucester, justement, un petit retour sur le match. Alors, juste avant, voilà, Manu, vous avez raison, on vous fait gagner cadeau exceptionnel. Pour le choc, j'adore comment vous devriez travailler dans la presse people. Le Castres olympique n'a plus gagné à domicile depuis... Ça tend à une série incroyable. Deux matchs. Demandez-leur. Je pense que c'est beaucoup. C'est trop. Ouais, c'est vrai que c'est trop. Castres-Clermont déplace pour aller assister, pour encourager le Castres olympique. Donc, samedi 15h au stade Pierre Fabre, déplace en tribune Ruy. Donc, on sera très, très bien. Vous serez très, très bien pour les gagner. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour jouer. Vous envoyez Castres au 7-17-18. Rapidement, un petit retour sur ce match du week-end dernier. Victoire au bout du bout avec un essai après la sirène contre Gloucester. C'est le genre de match qui fait du bien à la tête? Ah, bien sûr, c'est le match qui nous a fait vraiment du bien, parce que ce match-là, on voulait bien finir, même si on savait qu'on n'allait pas être qualifié pour les quarts de finale. On voulait finir deuxième de cette poule, donc c'est chose faite, donc voilà. On a vu, Kevin, de l'orgueil aussi. Ça dit un peu sur l'état d'esprit de cette équipe castraise. Ben oui, surtout qu'on avait pour objectif de gagner avec le bonus. Donc finalement, on ne tente pas les points. Ça a été un match très difficile, puisque ça a envoyé du jeu de partout. Une équipe un peu remaniée. Donc les mecs où on n'a pas trop l'habitude de jouer, on a eu la chance de montrer un peu ce qu'on valait. Certains ont fait vraiment un gros match. Donc t'as mieux, quoi. Ça montre qu'on est vraiment un groupe et pas seulement 15 ou 23 joueurs. Justement, un groupe et de l'orgueil, il en faudra. En top 14, ce sera samedi contre Clermont avec la réception de l'ASM qui est le leader de ce championnat. L'ASM qui n'a perdu que deux fois cette saison. Écoutez d'ailleurs ce qu'en dit Ludovic Rado. Voilà, on a été bien reçus là-bas. Eux, ils ont reçu le champion, nous on reçoit le leader. Donc à nous de bien recevoir le leader. Ils sont en pleine confiance. Ils roulent un peu sur tout le monde physiquement. Ils dominent leur sujet un peu partout. Je crois qu'ils ont perdu que deux matchs cette saison. Donc voilà, on s'attend à un gros morceau et ça va être un beau match de rugby et j'espère qu'il se finira de la meilleure des manières pour nous. Elle est impressionnante cette équipe de l'ASM, Kevin Firmin. Ah oui, quand on les regarde à la télé, ça va vite, ça tape fort. Comme dit Rado, ils maîtrisent leur sujet. Donc à chaque fois qu'ils vont jouer, que ce soit chez eux ou à l'extérieur, c'est pour gagner. Donc il y a deux mois et demi, trois mois, on l'a vite compris quand on allait jouer là-bas. 41-6 à l'aller. On a pris 41, donc voilà. Donc quand une équipe est en confiance, elle a envie de gagner un match, ça il le montre bien comme il faut. Hein. C'est une très grosse équipe, donc voilà. Donc là, ça va être un match très compliqué pour nous. Donc on attend avec impatience, je pense, tous les joueurs. On a envie de montrer que le match aller, c'était une erreur de parcours. Donc là, on va vite corriger le tir
Et ce qu'on veut, c'est gagner. Vous êtes un peu acquis tout double, Kevin Gimeno, sur cette rencontre. Une défaite, ça compliquerait vraiment la situation? Ouais, surtout qu'on a déjà 3 défaites à la maison. Donc maintenant, plus droit à l'erreur. Eux, ils n'ont rien à perdre, nous, tout à gagner. Donc, ouais, ils vont venir sans pression. Il leur manque les internationaux. Donc, bon. Mais. Ouais, même. C'est pareil. ils ont 3 voire 4 équipes. Donc, c'est des machines. Donc, maintenant, à nous de faire le match parfait, quoi. La SM, c'est une équipe qui joue. C'est une équipe aussi qui détruit ses adversaires physiquement. Christophe Furios, il a insisté sur ça. Écoutez. Tout le monde parle du jeu de Clermont, mais mon cul, c'est pas ça l'enjeu de Clermont. C'est, voilà, la difficulté de Clermont, c'est la mêlée fermée, c'est les ballons portés, c'est l'agressivité qu'ils mettent dans les rucks et sur les avantages. C'est ça la difficulté de Clermont. Après, le jeu, c'est rare, c'est bon. Hein. Ouais, vous avez bien fait de le diffuser avant, parce que moi j'allais louer les ballons de récupération. On a vu le dernier match, et c'est vrai que quand Clermont récupère un ballon, ça va tout de suite à l'essai. Donc voilà, j'ai rien dit. Ça on pourra couper, non, c'est pas possible. C'est non, on coupe rien. Tant pis. Quand on joue devant, comme vous, est-ce que justement c'est le genre de match avec un combat qui va forcément être énorme? On l'attend avec impatience, presque avec gourmandise. Oui, je pense que oui, puisque bon, on veut à chaque fois marquer l'adversaire physiquement. Là, on sait qu'ils ont un gros pack, notamment mêlé. Je pense que Kevin en parlera un peu mieux que moi. Mais voilà, même sur la touche, ça va vite. À chaque fois, c'est nickel. Tous les lancements, c'est au millimètre près. Donc, ouais, à nous aussi de montrer qu'on est là, quoi. Et de marquer, nous aussi, l'adversaire. Kevin, toi, tu... Kevin Firmin, voilà, pardon, merci Manu. Appuyez sur mon... Arrêtez de faire ça. Tu l'attends avec impatience, ouais, ce match. On sait que on dit tout le temps, ouais, le combat. Ouais, mais là, vraiment, sur ce genre de match, c'est le combat à outrance. Ah, bien sûr. Hein, au match aller, on l'a vite compris. En mêlée, ils nous ont, on va le dire, hein, carrément, ils nous ont marché dessus. Pour ce qui est des mauls, c'était très compliqué. Donc, on se doit de se racheter contre cette équipe. Donc, là, le plus gros du travail, ça va être devant, le combat et les rucks. Voilà, c'est tout. Hein, ça va se gagner là-dessus, je pense. On a l'habitude de dire que la Coupe d'Europe, il y a quand même pas mal d'intensité. Est-ce que finalement, ce match qui arrive après l'épisode Coupe d'Europe où il y a eu 2 matchs pleins, finalement, c'est pas une bonne transition que de recevoir Clermont? Oui, non. De toute façon, il faut tous les recevoir. Donc, d'un côté, t'as mieux, parce que Clermont, pour moi, c'est une grande équipe d'Europe. Même si là, cette année, ils n'étaient pas dans la Champions Cup. Ouais. Donc, ouais, quoi qu'il arrive, ce sera le même rythme. Donc, au moins, on est averti, on sait que. On a joué le Munster, Gloucester. Ça a tenu à domicile. Voilà, oui, c'est mais ça. Voilà, c'est pour ça. Donc, il n'y a pas de raison maintenant. Mm. Et on sait que ça va piquer pareil, que ça va envoyer du jeu de partout. Et ouais, ça va être compliqué. Parce qu'on présente ça avec pas mal de craintes hein, depuis le début de l'émission. Mais voilà, à domicile, vous êtes frotté au Leinster, c'est passé. Munster, c'est passé. Voilà, il y a eu Gloucester, etc. Vous les avez gagnés. Donc, il y a quand même du positif. Je pense que c'est sur ça que Christophe a dû aussi intervenir cette semaine. Ouais, bien sûr. Voilà, ça nous a. Les matchs de Coupe d'Europe, ça nous a fait du bien. Munster, Gloucester, donc ça nous prépare à des matchs comme Clermont. Clermont, pour ma part, c'est la meilleure équipe d'Europe, moi, pour moi. Donc là, on va se router au plus grand d'Europe. Donc là, va vraiment falloir qu'on s'y mette. Et si on veut gagner, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est mêlée, touche, les bases. Hein, donc. Ouais, parce que même sans les internationaux, les joueurs qui jouent là, ils ont une chance terrible et ils ont faim, quoi. Donc c'est effectivement gagner une place pour la suite. Donc y a pas d'équipe 2 là, hein, clairement. Non, ils ont pas. Moi, pour moi, tous les joueurs, il y a pas d'équipe 1, 2. C'est les mecs sont tous très très bons. C'est tous des très grands joueurs. Donc voilà, nous, va falloir qu'on hausse notre niveau contre une équipe comme ça, parce que on veut pas se faire surprendre non plus. Hein, parce que si on doit perdre ce match, c'est vrai que pour la suite, ça peut être compliqué. Donc après, rien n'est perdu, mais. Ça peut être compliqué. Mais c'est vrai que ce match, cette saison, c'est peut-être la première fois qu'avant un match à domicile, alors d'un point de vue des observateurs hein, évidemment, mais on a vraiment la sensation que Castres n'est pas en position de favori. Et à domicile, depuis le début de la saison, c'est la première fois. Vous l'exprimez comme ça, vous le ressentez comme ça vous aussi quand vous en parlez? Oui, un peu, puisque bon, comme on a dit, ils sont sur une bonne dynamique, en confiance. Nous, un peu moins, même si on revient à dire qu'on a gagné...
C'est ceux dans les matchs de Coupe d'Europe, mais bon, on le gagne sur le fil à la dernière minute, donc c'est pas non plus un match, match parfait. À quelques secondes près, on aurait pas le même discours c'est aussi. Ça, ouais, c'est ça, vrai. Donc si l'anglais tape en touche, c'était fini, on avait perdu, quoi. Donc, ouais, donc ça va être compliqué. Après, maintenant, on sait que nous, tous les matchs, on les base sur une grosse défense. On le sait qu'il va falloir aller les chercher, monter fort, gagner la ligne d'avantage. Et c'est sur ça qu'il faut se baser pour gagner un match. 100%, c'est au Kevin Gimeno. Kevin Firmin avec nous, on joue, Manu, on vous fait gagner des places justement pour ce choc face à Clermont, comment on fait? Exactement, c'est samedi, c'est le match de l'année au stade Pierre Fabre à 15h, vous envoyez tout simplement par SMS Castres au 7 17 18. 100% CO avec le nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingo, disponible chez Sudauto. On arrive à mes moments préférés dans cette émission, Cyril. Alors, dans 100% CO, on aime bien improviser à chaque émission. Là, quand on a vu qu'on recevait deux Kevin ce soir, on n'a pas hésité. On a sorti le questionnaire des Kevin. Alors, c'est spécialement pour vous, messieurs. Manu, tu peux jouer aussi, même si tu te soupçonnes de connaître certaines réponses. Alors, c'est simple. Je vous pose des questions. La réponse est forcément un Kevin célèbre. Par exemple, si je vous dis « Il joue talonneur au Castres Olympique », la réponse, c'est... Kevin Firmin. Voilà, exactement. Alors, premier, le questionnaire des Kevin. C'est un grand acteur américain qui a notamment dansé avec les loups. Kevin Costner. Kevin Costner, un point pour Kevin Gimeno. Un autre grand acteur américain qui a dansé à en perdre pied. Indice, son nom peut donner faim. On peut donner faim. Kevin Bacon. Non. Footloose, non, le... oh là là. T'as pas un extrait, Manu, de... C'est un grand acteur américain qui a incarné l'un des criminels les plus machiavéliques du cinéma. Ouais, mais compliqué. Ah, c'est compliqué, ouais. Ah, c'est... Non, non, si, si. si je vous dis Kaiser Soze. Ouais, mais... Non. Non mais moi, Kevin Spacey. Kevin Spacey, ah, mais oui, si, mais vous connaissez que lui, mais bien sûr, mais je le sais. C'est un grand sportif américain, c'est du basket, champion du monde, champion olympique, meilleur joueur NBA 2014. Kevin Durant. Kevin Durant, un partout, dernière question, c'est la question qui va départager. Pour finir, alors celui-là, vous devriez trouver facilement. Il est troisième ligne, il est régulièrement sélectionné avec le 15 de France, il joue à La Rochelle. Kevin Gourdon, c'est Kevin Gimeno. Victoire de Kevin Gimeno, Gimeno, pardon. Officiellement sacré roi des Kevin du Castres Olympique. Bravo. Je savais. On verra pour le trophée ouais, à la photo finish à la fin de l'émission. À un dixième. Tu confirmes? Ouais, je confirme. Ouais. Bon, ça nous permet d'enchaîner avec le questionnaire 100%. Quelques questions pour mieux vous connaître, messieurs, mieux savoir ce que vous aimez. Le questionnaire 100% sont des questions que personne ne se pose et qu'on vous pose quand même. Alors, une seule règle. Kevin. Effectivement. Une seule règle, messieurs, répondre rapidement. Kevin Gimeno, qu'est-ce que tu préfères à Castres, dans la ville de Castres? Le public. Le public du stade? Ouais, parce qu'ils sont proches de nous et ils sont tout le temps là, même dans les moments difficiles, donc oui. Kevin Firmin, qu'est-ce qui te plaît le moins dans la ville de Castres? Ce qui me plaît le moins... Pas forcément au niveau du rugby, hein, vraiment dans la ville... Le dans temps. La météo. Que le golf de Castres soit pas un 18 trous. Golfeur Kevin Firmin, très bien, très bien. Manu pourrait faire un parcours sur le 9 trous. Kevin Gimeno, quelle est la faute qui t'énerve le plus sur un terrain de rugby, commise par un adversaire ou un de tes partenaires, hein? Qu'est-ce qui, vraiment, le petit truc qui t'énerve? L'en avant. Quand t'es oxy, que t'en peux plus, que tu vois, il y en a en avant, tu fais, bon, troisième ligne, ça va, mais bon. Tu dis, putain, il faut faire la mêlée encore une fois, c'est chiant. Celle qui t'inspire, au contraire, la faute qui t'inspire le plus d'indulgence, où tu te dis, celle-là, j'aurais pu la faire aussi. Un coup de poing. On va dire. Ça peut arriver, sans faire attention. Oui, Est-ce qu'il y a un message personnel à Christophe Furios ou je sais pas, parce qu'il faut il n'y a pas besoin de décrypter. Pas un geste qui est passé à la vidéo récemment, non, il n'y a pas. Non, ok, très bien. Kevin Firmin, toi, c'est quoi la faute qui t'énerve le plus sur un terrain de rugby? La faute qui m'énerve le plus, je pourrais pas appeler ça une faute, mais quand on a une pénalité pour nous et que le 10 doit taper en touche et qu'il la trouve pas. Ouais. Des fois pour nous, surtout quand c'est une mêlée gagnée. Des fois pour nous, voilà, c'est un peu. Il y a un petit soupir. Bon, c'est pas vraiment quelque chose qui me déplaît, mais bon. Oui, je comprends. Tu crois son regard, c'est de... La faute à toi, justement, qui t'inspire le plus d'indulgence, voilà, où tu te dis, j'aurais pu aussi.
La faute. Il n'y en a pas vraiment. Le mec qui gratte, Rory, c'est un peu le spécialiste et il fait beaucoup de fautes. Après, il n'y a pas trop de. Il n'y a rien. Moi. Toutes les fautes t'énervent, de toute façon. Surtout voilà, quand il y a des fautes bêtes. Il s'énerve très facilement aussi. D'accord. Non. Il a pas l'air comme ça. Il a pas l'air. Je reste avec toi, Kevin Firmin. C'est quoi la principale qualité pour être un bon talonneur? La principale qualité, forcément, c'est le lancer. Donc après, il y a la mêlée et être un bon défenseur. Donc après, voilà, si on a tout ça dans le jeu, ça vient tout seul. Hein, la première qualité, je pense que c'est vraiment le lancer et la mêlée. Kevin Gimeno, c'est quoi la principale qualité d'un bon troisième ligne? Pour moi, en priorité, c'est le plaquage. Je dis pas la défense, mais le plaquage, c'est faire tomber de suite et après gratter un maximum de ballons. Kevin Firmin, pour terminer ce questionnaire 100%, est-ce que ça arrive à des piliers de ton équipe de pousser en travers? Je vais pas le dire, mais si, un peu, ouais, un peu. Bon, les arbitres le voient pas, mais bon, triche un peu, t'entends. Est-ce qu'on est forcé de tricher dans les mêlées du top 14? En général, hein, je parle pas du castre olympique, mais est-ce qu'on pourrait pas juste tous se dire on fait des mêlées propres pendant tout le match, les gars? Est-ce que ça existera un jour, ce match? Ouais, ça, je sais pas, ça va être compliqué. Après, ouais, moi, j'ai joué en Pro D2. Alors, en Pro D2, c'est la sous-sous complet. Ah ouais, c'est pire. Ouais, C'est n'importe quoi. Donc là, on peut dire vraiment qu'en top 14, les mecs, entre guillemets, trichent pas. Mais bon. Il y a toujours un peu qui essaye d'enfreindre les règles, mais oui, non, mais après, sans élu. Hein. Quand on dit tricher, bon voilà, enfin c'est la mêlée, hein, c'est jouer voilà, avec oui, la règle oui, à la voilà, limite. Voilà, on a un gros orgueil, donc il supporte pas reculer. Donc si admettons le mec en passe est meilleur, il se met un peu en travers et bon. Ouais, mais ça n'arrive pas. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la Coupe d'Europe et le top 14 pour ces mêlées, justement? On a l'impression que on titille moins en Coupe d'Europe, on laisse jouer davantage ou on siffle tout de suite, hein. C'est votre avis aussi? Le match contre le Munster, quand on a joué contre le Munster à la maison, j'avoue que sur les mêlées, j'ai pas trop compris l'arbitre. Ça a été un peu compliqué pour nous. Des fois, on arrivait à les renverser, sauf que pour lui, on remontait direct. Des fois, c'était le contraire. Ça dépend de l'arbitre aussi. Ouais, des fois, bon, ça, c'est. Après bon, sur une mêlée, moi je vais avoir telle appréciation, hein, Kevin va avoir une autre. Ce qui est dommage, c'est que les arbitres voient le capitaine avant le match pour donner les dernières consignes en disant attendez, on va essayer de la jouer comme ça, de regarder ça peut-être, et puis on s'aperçoit que tout ce qui a été fait avant, et il y a un bon briefing avant au capitaine, ça sert pas vraiment à grand chose au final. Des fois ça dépend. Après avec l'arbitre, faut essayer d'être le plus calme possible. Si voilà, on est trop tout le temps à lui parler, forcément à force il va en avoir marre, il va nous siffler pénalité. Des fois c'est entre guillemets, on appelle ça un peu le jeu de la pièce. Oui, pile ou face. Pile ou face, des fois bon. Il y a pas de gens comme ça qui parlent à l'arbitre au Castres Olympique. Non. Personne. Kevin Gimeno, Kevin Firmin avec nous dans 100% CO. On vous rappelle qu'on vous fait gagner des places pour le choc, le Castres Olympique qui reçoit Clermont samedi matin. Exactement, alors si vous pouvez pas vous déplacer au stade, hein, sachez que le match sera diffusé sur 100% dès 15h30 pour la prise d'antenne, le coup d'envoi. 14h30, c'est 15h hein, le coup d'envoi effectivement. Si vous voulez aller au stade en tribune Ruy, deux places à gagner en envoyant Castres au 7, 17, 18. Un mot sur l'association du Castres Olympique avec les résultats du week-end. C'est pas mal du tout. Les cadettes féminines ont battu Colomiers 17-10. Les seniors féminines ont battu Blagnac 20-5. Elles font vraiment une belle saison. Les filles, on en parlera la semaine prochaine. Les KDB sont allés gagner à l'ASM 19-15. Les A ont perdu à l'ASM 28-14. Les Crabos perdent à domicile contre le Stade Toulousain 22-16. Et les Espoirs se sont imposés à Dax 30-20. Ça commence à bien prendre pour les hommes de Cédric Jalabert. Le programme des Espoirs, rapidement. Vous avez oublié les moins de 6 hein, qui ont gagné à Touscaïra.
Emirates le week-end dernier. Vous y étiez, ouais, bah, évidemment. Évidemment. C'est là que ça commence. Hein. Bravo, non, non, mais bravo les moins de 6. Continuez. Ce week-end, les Espoirs reçoivent Nevers. C'est à La Bruyère à 15h samedi. Les Crabos vont à Colomiers samedi. Toujours samedi, les KD A et B reçoivent Montauban. C'est à 15h30 Oreille. Les seniors féminines reçoivent dimanche Oreille à 15h. Et les cadettes, elles accueillent Villefranche. C'est à 14h dimanche également Oreille. Est-ce que vous suivez un peu les équipes de l'association? Est-ce que vous allez, qui ça vous arrive d'aller rate, voir les matchs ou moins de 6, je sais pas encore, mais est-ce que vous suivez l'association? Pour ma part, c'est compliqué. J'aimerais bien, mais vu qu'on a les matchs samedi ou le dimanche, j'essaie de profiter un peu de ma famille, essayer de bouger un peu, mais à l'occasion, j'irai voir un match. Ouais. Kevin, moi, les Espoirs, ouais. J'ai joué aussi. T'as fait quelques matchs? Ouais, j'ai fait quelques matchs avec eux aussi l'année dernière, donc je suis, ouais. Et comment c'était justement quand un match avec les Espoirs, quand on navigue entre est-ce qu'on se régale plus justement, est-ce qu'on se sent mieux, plus libre finalement dans le jeu, ou ça reste quand même assez classique? Comment tu as vécu ça? Bah, pour ma part, je joue talonneur, mais en espoir j'ai plus l'âge de jouer talonneur. Ah oui, troisième ligne, c'est vrai. Moi je suis obligé de jouer 8, ouais. Donc forcément je me régale un peu plus. mais après voilà, bon je franchement, quand on joue en espoir, si on prend plus de plaisir, c'est pas qu'on s'en fout, c'est pas ça, mais on est plus libéré, décontracté, hein. Libéré. Il y a moins de pression quand même, et après voilà, le but c'est vraiment de prendre du plaisir et de pouvoir remonter plus vite en équipe une, donc et de pouvoir aussi aider les espoirs, c'est le but, donc voilà. Kevin Firmin en numéro 8 avec l'équipe 1, c'est... Bah, il a des mains à faire des beignets, donc c'est compliqué. Je sais pas l'expression, mais ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. C'est moche. C'est moche. Ça sera le mot de la fin, malheureusement. Ça sera le mot de la fin, Kevin Firmin, Kevin Gimeno dans 100% CO. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans cette émission. On vous souhaite bon match. On espère vraiment la victoire du Castres Olympique contre Clermont. Ce sera samedi, ce sera à vivre sur 100% à partir de 14h30 avec Alain Gaillard. Exactement, vous y serez avec Alain. Bon match. Et puis, si vous voulez assister au match au stade, vous avez encore quelques secondes pour envoyer Castres au 7, 17, 18. L'émission à retrouver dans quelques minutes. En vidéo Facebook, ça se passe sur le site 100%.com. Messieurs, bonne soirée, bon match et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bonne soirée. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudoto. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.